Et face au juge, eh bien MHD, comme tout au long de sa garde à vue, a continué à contester fermement toute implication, en tout cas une implication personnelle, dans cette... des témoins, c'est que le rappeur était bien présent le 6 juillet dernier. La voiture que vous allez voir sur ce document amateur, eh bien, est au nom d'MHD, un véhicule retrouvé calciné quelques jours après les faits. Voilà plusieurs éléments qui ont motivé cette garde à vue plus de 6 mois après cette rixe mortelle. C'est que le jeune homme de 23 ans, décédé sous les coups, était totalement étranger à cette rivalité entre bandes du 10e et 19e arrondissement, tout juste séparé de sa compagne. Il vivait sans logement, il dormait dans la rue et vivait grâce au soutien des habitants du 10e arrondissement. Font que commencer avec ce placement en détention provisoire. Effectivement, et c'est un juge d'instruction qui, après 48 heures de garde à vue au sein de la police judiciaire parisienne, a mis en examen Mohamed Silla, alias MHD, pour homicide volontaire. Ouais, non, donc, ouais. Voilà, exactement. Hein, et au sens du code pénal, eh bien, ces faits constituent un meurtre et est puni de 30 ans de réclusion criminelle.